Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et vous allez voir que bah, il y a encore du nouveau. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté ce nouveau décor métallique, on va dire, hein, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus stylisé. Vous pouvez distinguer derrière moi l'arrivée du fond vert également, pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus joli. Mais ça, c'était que le début. Alors, avant de démarrer, hein, bien entendu, si jamais le contenu de la chaîne vous plaît, et dites-vous que ça va évoluer à ce niveau-là, et c'est justement l'objet de cette vidéo, si le contenu vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner et activer la petite cloche pour, bien entendu, être averti pour les prochaines vidéos. Donc ça, c'est assez important, on arrive à 600 abonnés, donc c'est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir là. Là, ouais, de ce côté-là. Le but pour l'instant, c'est les 1000 abonnés. Donc, on n'en est plus très très loin maintenant. Je trouve que ça, on est sur une bonne dynamique, ça augmente bien. Mais voilà, donc si vous aimez le contenu que je vous propose, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Bien entendu, le petit commentaire d'encouragement et tout, le petit pouce, c'est bienvenu également, hein. Donc, bah voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vous présenter un petit peu les changements qui vont arriver sur la chaîne. Et ben, vous allez voir que, y en a pas mal. Enfin, il y a du gros changement qui est attendu, puisque j'ai décidé de me diversifier, de sortir un petit peu de la simulation dans laquelle je m'étais un petit peu enfermé. Alors, pourquoi je sors de ce carcan de la simulation, ben c'est tout simplement parce que je tourne en rond et puis il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer. Et malheureusement, ben, là je suis vraiment enfermé dans ce thème de la simulation et du coup, ben, je suis un petit peu bloqué. Donc je vais aborder maintenant eh bien, un petit peu tous les jeux que je trouve sympas. Donc il va y avoir, je vais vous en reparler, ouais si, allez. Donc, alors je prends la petite liste, hein, parce que y a quand même pas mal de trucs qui vont sortir, ou qui sont sortis, et puis que j'aimerais vous montrer. Donc on a Battlefield 2042, qui va arriver prochainement. Shredders, que j'attends énormément, vous allez pouvoir voir les images qui défilent sur l'écran, ici. On a Riders Republic qui est un titre que j'attends énormément également. Vous l'aurez compris, hein, j'aime bien les jeux de snowboard. Et d'ailleurs, l'une des prochaines vidéos, eh bien, on va aller carrément dans ce sens-là. Hein, on va aller sur le Mont Blanc, enfin presque. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, Gran Turismo 7, bien entendu, Gran Turismo 7. Donc là, on va revenir dans le domaine automobile et du SimCAD. Donc, pour pas dire simulation, pour pas fâcher les plus puristes. Donc on est dans le SimCAD, bien entendu. Il y a Forza Horizon 5 qui arrive d'ici 2 mois. Donc là aussi, un titre que j'attends beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? The Ascent, qui est un RPG qui est sorti il y a peu sur le Xbox Game Pass. Putain, j'arrive jamais à le dire, ce truc. Xbox Game Pass. Ta mère, Microsoft. Donc, ce Xbox Game Pass, ce Game Pass, voilà, qui va regrouper bah, justement FH5, The Ascent, Project Wingman aussi, qui est un jeu de baston aérienne moins poussé que DCS, hein, donc un petit peu plus à ma portée, parce que DCS, c'est vraiment de la simulation pure et dure. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Comanche, qui est un jeu de baston aérienne toujours, mais cette fois-ci en hélico. Je vais revenir faire un petit tour aussi sur Dirt 5, que je voulais pas jusque-là mettre sur la chaîne parce que je le trouvais justement trop arcade et trop en décalage avec la chaîne, même si j'avais déjà fait des vidéos de Forza Horizon 4. Mais là, pour le coup, oui, Dirt 5 était beaucoup, beaucoup plus arcade. Et donc, bah, comme je me laisse justement un petit peu plus de liberté maintenant, Dirt 5, eh bien, on va pouvoir le jouer un petit peu. On va retrouver également du Wreckfest, hein, qui va faire son retour sur la chaîne. ACV, c'est quoi ça, ACV? Qu'est-ce que j'ai bien voulu dire par ACV? Eh ben, je sais pas. Et en tout cas, eh ben, quand ça reviendra, vous serez les premiers informés, hein, parce que j'ai noté ACV sur ma liste, mais je sais absolument plus ce que c'est.
Voilà, Hellblade aussi, qui est un jeu que je voulais tester et qui me faisait vraiment de l'œil. On a des simulations spatiales aussi qui vont arriver, hein, puisque il y a Star Citizen et Star Wars. Ouais, Star Wars Squadrons. Star Wars Squadrons qui m'attendent aussi. Donc voilà, il va y avoir tout un tas de jeux. Donc on va rigoler, on va glisser, on va faire péter des trucs. Il va y avoir des explosions, il va y avoir des courses, il va y avoir enfin bref, un petit peu de tout. Et j'espère que vous serez encore plus nombreux à me suivre que vous ne l'êtes déjà. Donc déjà, je voulais encore remercier hein, mes abonnés qui me soutiennent. Il y en a qui sont là depuis le début et qui m'encouragent toujours encore et toujours. Donc vraiment, ça fait énormément plaisir. Donc, si vous voulez faire comme eux, alors pour l'instant, il n'y a rien de payant. Hein. Donc, vous abonner, c'est gratos. Hein. Donc, ce sera toujours gratuit, hein, bien entendu, je dis pour l'instant, mais l'abonnement, il sera toujours gratuit, quoi qu'il arrive. Mais voilà. Donc, bah, si c'est gratuit, pourquoi se priver hein. Vous abonner, vous activez la cloche, et puis, voilà, quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, ah, voilà, c'est magique. Bref. Voilà, donc tout ça pour toucher un public un petit peu plus large, hein, parce que la simulation, malgré tout, c'est bien, c'est génial, hein, personnellement j'adore ça, mais on s'enferme quand même pas mal. Hein. Voilà, donc beaucoup de changements sur la chaîne, hein, j'espère que ça va vous plaire. Donc d'ici la vidéo, la prochaine vidéo, va falloir que je me trouve un nouveau slogan. Ouais, nouveau slogan de fin, parce que soyez sage au volant, mais tout le monde conduit pas. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, on va rester hein, pour l'instant sur le slogan habituel. Même chose pour ce qui est du générique hein, de début et de fin, il va évoluer parce que il est plus trop adapté. On va conserver Motor 7 parce que j'aime pas trop le changement non plus, hein, mais voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo !